Voilà quelques-uns des faits possibles à ce flocon. Alors il y en a 79 et il y a deux circuits, alors ça fait 79 multiplié par 2, ça fait un paquet. Alors les vitesses sont modifiables, les couleurs sont modifiables, il y a pas mal de choses, bon, pratiquement pas à l'infini, mais presque, bon, on peut faire des tas d'effets. Ou alors choisir un effet, le garder, ou modifier la vitesse, modifier l'effet, modifier, voilà, tout peut se modifier. Alors je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait, puis si des fois vous avez besoin de plus de renseignements, je vous les donnerai, je serai même ravi de vous les donner. C'est un contreplaqué troué, des pixels et deux microcontrôleurs. Alors les pixels, c'est des WS2811 en 12 volts. Alors, il y a un circuit que vous voyez là, les 6 branches, ça fait un circuit avec un contrôleur. Et le haut, c'est-à-dire chaque haut des branches, il y a un autre microcontrôleur qui sont contrôlés ensemble. Vous voyez les tas d'effets que ça peut faire. C'est pratiquement à l'infini. À vous de choisir votre effet, votre couleur, votre vitesse. Oui, on resterait pendant des heures en train de regarder là. Enfin, je ne sais pas vous, moi ça me passionne, moi ça me. Quand je vois le résultat, ça me plaît, voilà. Alors ça c'est du contre-paquet 10 mm simplement qui a été peint. Alors pour les dimensions, si ça vous intéresse, je vous le donnerai. Ça c'est des pixels 28 WS. Alors, j'ai tracé c'est une sorte d'étoile, un flocon quoi, hein. Alors là il y a un circuit, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un circuit avec les branches et un autre circuit avec les bouts d'étoiles, c'est-à-dire ici, 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 ça fait notre circuit. Vous voyez tout ça, ça marche ensemble, et ça, toutes les branches marchent ensemble. On va regarder par derrière. Alors voilà, par derrière, il y a quand même un sacré bins, mais c'est quand même assez simple. Vous voyez. Là, il y a un microcontrôleur 12 volts qui commande, comme je vous ai dit, les branches sur le côté. Là, sont toutes branchées ensemble, toutes reliées à ce contrôleur là. Et à celui-là, encore ce microcontrôleur là qui commande les branches. Donc, toutes les branches sont ensemble. C'est assez simple. Alors je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer le sens de marche, car il y a un sens d'alimentation. Voilà le pixel là, vous voyez une flèche, c'est-à-dire vous devez l'alimenter par là. Alors le rouge c'est le plus, le bleu c'est le moins, et le blanc et bien c'est le commun, c'est la commande, c'est le. Alors comment ils appellent ça?
Voilà, c'est ce qui amène l'information, hein. Commun, je crois, ce qu'on dit. Voilà. Donc, bien faire attention d'alimenter ce niveau-là. De l'autre côté, c'est la puce. Alors, si vous alimentez par là, eh bien, il n'y a rien qui va fonctionner. Il faut bien l'alimenter. Il y a un sens, il y a une flèche, il est bien dessiné. Alors là, on ne voit pas. Mais sur le en tout petit sur la gauche, il est écrit 5 volts ou 12 volts. Cela, celui que je vous montre là, c'est du 12 volts. Celui-là, c'est du 5 volts. Bon, bien sûr, du 5 volts, 12 volts, on ne les mélange pas. Alors les trous. C'est du 12 mm et les pixels ils font 12 mm. Il y a une petite nervure qui permet qu'il reste coincé une fois rentré dedans. Alors ça peut rester entièrement à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Ça résiste super bien. Voilà, écoutez, si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas. Des tas de combinaisons possibles. Alors comme je vous disais, ou vous sélectionnez une combinaison et vous la gardez toujours la même. Alors une combinaison, une couleur, vous la gardez toujours la même, ou vous laissez en automatique et ça défile les 79 combinaisons. Vous voyez le vert qui s'éloigne là, c'est le bleu, le blanc, le jaune, le rouge, le bleu. Les vitesses sont aussi programmables. Voilà, et ça n'arrête pas. Alors là, il est réglé pratiquement à moitié de sa vitesse. Vous voyez, ça rentre, ça sort. À moitié de sa vitesse, on peut régler ou plus vite ou moins vite.